On est dans des matrioshkas. Quoi? C'est des poupées russes. Ces poupées qui s'emboîtent là, les unes dans les autres. Tu dérailles là? J'ai pas besoin de ça. On est dans une cuisine, piégé dans un hôtel, coupé du monde sur une île. Même si on arrive à sortir de cette pièce... Comment on va sortir de l'hôtel? Je te le fais pas dire. Et comment on quitte l'île? On doit se concentrer sur une chose à la fois. Oui, c'est ce que... T'as raison, d'accord. Je crois que tu peux appuyer dessus, peut-être? Bah non, je peux rien faire, en fait, j'essaye. Mais... Ah, je m'éloigne, peut-être que je te gêne. Tiens, on va essayer, toi. Ah oui, toi ça marche. Elle est pointée sur l'étiquette. Nathalie Morello. Oh bon sang. Ah, ah Seigneur, non. Donc c'est lui qui a vu aussi les noms sur la... de l'autre famille qui était là. Oh putain, c'est un cadavre. Tu crois? Elle était du dernier groupe à avoir visité l'hôtel. C'est Charlie qui était tombé. Tiens, vas-y, essaie d'ouvrir. Merde. Charlie, j'ai peut-être trouvé une sortie. Ah, qu'est-ce que ça va Regarde. Faire? Elle s'ouvre sur l'extérieur. Elle sera sûrement moins difficile à forcer. Recule. Oh merde, non. Le scriptum y a fait effet. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Au revoir. Ouais, parce que toute la suite est spéciale pour lui. Ouais. Donc du... Le feu, les flammes, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Ah, on est séparés. Du coup, tu es qui? Yes. Je crois que... Ah non, c'est avec qui? Bordel! Non, 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 non! Oh, merde! Ok. Ah oui, c'est un store métallique. Je me pose la question, c'est que... Ouais, il y a des barreaux aux fenêtres. Hein. Ouais, il y a des barreaux aux fenêtres. Ah, c'est une autre ambiance, tu vois. Ah, mon poster. Encore un truc avec un code. Ouais, merci. 1573. Ça paraît tellement simple que le code soit juste à côté. C'est sans doute maintenant un piège. J'étais sûr que c'était le bon. Ouais, ou c'est trop évident. Toujours le noter. Hein. Est-ce qu'il y aura un autre code Il y a un code à 4 chiffres. Il y a 1101 sur ce truc là. Code dans l'autre sens, hein, des... Le code de tout à l'heure, tiens, c'est marrant de... C'est le même code à chaque fois.
pas longtemps. C'était quoi? 0451. Et le traditionnel 000. Ok. Bon, tant pis. Non ! Lâchez-moi ! Un bout de plastique de merde. Ok. Un truc par terre, visiblement. Ouais. Bon, bah, je sais pas. On va espérer voir un truc avec un code, mais... Il y a 20-31 aussi. Vraiment tout noté. Non, oh, ok. J'aurais essayé. Et ce truc-là, il donne strictement rien. Ah, ok. Quel enfer! What? Erin. Erin. Erin, t'es là? Oh ouais, Erin? Jamie? Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? T'es en danger, Erin. Comment tu... Écoute-moi bien. Fais exactement ce que je te dis. Où est-ce que t'es? Je te... Écoute-moi! Oh merde. Oh non, 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 non! Erin! Il y a un placard, cache-toi à l'intérieur, vite! Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Cache-toi, Erin! Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Erin, vite! Fais-moi confiance! On est parti se cacher. Et bonsoir RP. Ouais, la fameuse scène, mais vue dans l'autre sens cette fois-ci.
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si on est mort? Alors, on va éviter de mourir. Charlie? Jamie? Alors, t'es mort? Mais où est-ce qu'ils sont? En lieu sûr, j'espère. En train de se demander où on est. Kate, regarde ça. Je me suis caché comme tu m'as demandé. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Rappelé, mais... On est coincé? J'en ai bien l'impression. Attends. Chut. Quoi? Chut. Ah. Non, excuse-moi. D'accord, ok. Ah, pardon. Désolé, j'ai eu beaucoup de notifications d'un coup. Je me suis demandé sur Discord. Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un bot ou une connerie comme ça sur mon serveur. Tu entends? Ah, c'est pas... Tu crois que c'est eux? D'où est-ce que ça vient? Il y a quelqu'un dans le restaurant. J'aimerais porter un toast. On dirait bien qu'il s'agit de notre dernier repas en équipe. Vu votre attitude à tous. Moi et mes apôtres. Non, attendez. Une minute, je n'arrive pas à savoir qui est Judas ici. C'est quoi ce bordel? Je peux faire un truc pareil. J'en ai marre qu'on joue avec moi. Si c'est ce que Dumet appelle une blague, ça me fait pas rire. Ok, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Erin. Oh putain. C'est complètement dingue. C'est quoi ce bordel? Oh, il est doué hein, quand même. En si peu de temps. Ouais. Ah non, quoique il les avait étudiés avant. Est-ce que quelqu'un a vu Monsieur Dumet? Putain, Marc. Plus qu'il faut faire, il a les mêmes fringues que toi. Je crois que c'était à ce moment-là que tu t'étais rentré avec Charlie, il fallait pas taper dessus, mais non, pas du tout. Bon sang. Pas croyable ce qui lui ressemble. C'est pas possible que quelqu'un ait fait cette mise en scène en quelques heures. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'on attende quelqu'un d'autre. Il y en a un qui va tourner en boucle, qui va taper dessus, mais je sais plus. Pourquoi quelqu'un se donnerait tout ce mal? Histoire de nous faire flipper? Tous les voir, je sais de tous les examiner. Bah, normalement c'est le dernier moi. Moi aussi. Qui a fait ça? Je trouve ça vraiment flippant. Ah, est-ce qu'il faut pas repartir pour que ça déclenche? Bah non, c'est fermé. Dumet? Ouais, il viendra pas. C'est juste un timing. Ah, il y a un truc là. Ah, t'as trouvé un truc? Attends. Non, c'est une pourquoi pièce, la porte du hall est fermée? C'est toi qui l'as poussée? Non. Alors qui? Voilà. Tu entends? Des pas. Et il se rapproche. Ah oui. Taper ou ne pas taper? Fais gaffe. Encore. T'as échoué encore? Pup a échoué, c'est écrit. Bah moi ça m'a marqué Keto a échoué. Mais dis donc, moi j'ai pas eu de truc rouge hein, tout est vert. Bah moi aussi. Oh, aïe. Oh merde. Jamie. C'est quoi ce cirque? Désolé, j'ai cru que... Putain. C'est quoi ce truc? Je voulais savoir ce que ça faisait. Et donc c'est toi qui a échoué? Non, j'ai bien jeté le truc hein. Non mais j'ai pas échoué par contre hein. Non, ouais, écrit, pup Charlie. Il est tombé dans une saloperie de piège. Un quoi?
C'est une blague ? Un truc à la Holmes. Je rigole pas. Et tu l'as laissé ? Ça s'est refermé, je pouvais rien faire. Et tu t'es tiré ? Dumet a tué le gardien. Quoi ? Sous nos yeux. Dumet ? C'est un traquenard ! Il portait un masque et je sais que ça a l'air dingue, mais c'est pas une blague et maintenant il en a après Erin. On doit partir ! Non mais c'est pas possible ! Vous savez, comme ça quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, dites-moi que je rêve. Les accusations. Quand... Tchè ! Putain, fais-le taire ! Tchè ! Tchè ! Tchè ! Tchè ! C'était quoi ? C'est un faux. Un accessoire. Ou un œil d'animal, forcément. Non, je rêve. Oh, c'est un vrai ! Putain, je vous l'ai dit que c'était du délire. Foutons le camp d'ici. C'est fermé. C'est plus fermé. Alors, non, c'est la porte d'après qui était fermée. Celle-là était toujours ouverte. Oh, c'est fermé. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? On a déjà été là, cette porte aussi est fermée. Du maître. T'as envie de jouer? Sors de là, tout de suite. On va s'amuser. Je pense que lui s'amuse. On va être séparés. Mais pourquoi je vois Charlie? Ah, moi aussi je vois Charlie. Ah, ok. Mais moi je joue Charlie, non? Oui, normalement, oui. Ouais. C'est bon, je peux remonter. Ok. Je joue Jim. Ah non, tu. C'est Erin. Bon, du coup. Regardez. Oui, t'as les clés. C'est à Charlie. Ton briquet. Va falloir qu'on recharge. Ah, t'as planté ? J'ai le même bug que la dernière fois, je peux pas valider rien. Un cadeau de son père. Il a pas pu l'abandonner. Je peux pas. En fait, je peux pas cliquer sur les choses. Pour l'instant, je suis bloqué dans ma cage. Dumet l'a fait exprès, il voulait qu'on le trouve. Ok. Hop. La connexion avec l'autre joueur est faible. Bah oui. Bah, il est connecté surtout l'autre joueur donc. Ah non, je peux pas valider quitter. Vous voulez vraiment. Oui, je vais quitter. Ce jeu, c'est un délire quand même. Bah, il y a moins de choses quand même que la première fois. Il y a des nouveautés quand même dans les bugs. Hein. Ouais. Par contre, ils ont corrigé certains bugs, mais par contre, il reste les bugs bloquants quand c'est chiant. Autant le cookie store et tout, c'était marrant, mais ça empêchait pas de jouer, autant là. C'est un peu plus chiant. J'ai cliqué sur oui pourtant. Ouais, ça met toujours un bon temps, un bout de temps. Mais ça, on a déjà eu la même chose, j'arrivais pas à faire les choses dans la cave à vin. Sauf que du coup, c'est moi qui est dans la cave à vin. Oui. Mais sauf que moi, du coup, là, sur le même endroit, tu vois, je suis encore bloqué. T'as bugué au même moment, mais pas au même endroit. C'est un truc. Le briquet de Charlie. Okay, bon. Ok, là c'est bon, un j'ai cadeau bien de son père. Truc, il a pas pu l'abandonner. Adieu. Dumet l'a fait exprès, il voulait qu'on le trouve.
C'est Charlie. Est-ce qu'il va bien? C'est bien lui. On doit entrer avant que quelque chose arrive. Les années sont le vin qui remplit la coupe du temps. Hein? Regardez ça. C'est une énigme. Une sorte de devinette. C'est logique, non? Les gadgets, les pièges, ils jouent. Je suis pas hyper fan des escape rooms mortels. Réfléchissons. À part Asha Holmes, qui d'autre pratiquait ce genre de jeu? On fera un profil quand on aura le temps de s'offrir ce luxe. J'essaie de trouver un moyen de sortir de son jeu. Ok, mais en attendant, je crois qu'on va être obligé de jouer le jeu si on veut sortir d'ici. Jaune 6. Ok, bon, je pense qu'il faudra que je note tout. T'as vu ça? Elle s'est éteinte. Ouais, mais c'était pas obligé de... Ça a peut-être un rapport avec les dates sur les bouteilles. Rouge 1. Ouais, du coup, j'aurais peut-être dû les faire dans l'ordre. Vert 9. Laisse-la redescendre. Je sais pas s'il y a un truc de noté sur celle-ci. Celle-ci ? Attends. Je crois que c'est un genre de compte à rebours. On a plus non, sans déconner. Temps. On se grouille. 8 pour le dernier, je sais pas ce que c'est. Le 8 bleu, j'imagine. Alors, le premier rouge à gauche. Non, en premier rouge. 1. Ensuite, c'est bleu. On va supposer 8. Ensuite, c'est vert. 9. Et ensuite, c'est jaune. 6. Ça y est. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Charlie, là. Elle est plus vite que moi, après. Je devais trouver un code, tu t'en rappelles peut-être. J'ai trouvé le code. C'est quoi cet endroit? Hey, qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça doit être lié à là où est Charlie, non? Ah, on est... Il se passe un truc. Faut le sortir de là. Mais comment? On sait pas où il est. Là! Mais c'est quoi cette horreur? C'est un de ces... trucs. Hé, hey, s'il y a du gaz là-dedans... Faut faire quelque chose. Il va cramer, qu'est-ce qu'on fait? Si on reste à rien faire, Charlie est mort! Non, Dumet veut qu'on l'utilise. C'est encore un jeu, je le sens pas. Reste là, sans rien faire! Active-toi, Charlie!
Charlie! Je... Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il est mort, hein. J'aurais pu le sauver. T'as fait quel choix? Ah ouais. T'avais un choix, t'avais fait quoi? C'est la scène qu'on a rejouée. Non. Non, non, c'est bien après. Quelle triste façon de partir. Mais du coup, ton choix, t'avais quoi? T'as fait quoi? Je m'interroge sur les chances du groupe privé de son chef. Il fallait se cacher sous la grille pour survivre. Kate et Mark veulent se montrer honnêtes l'un envers l'autre. Moi, vu que j'étais pas encore dans l'incinérateur au départ, Kate a caché quelque chose à Mark. D'accord. Et peut-être aussi à elle-même. J'avais une manette, je l'ai utilisée, faites-le pas que j'utilise. Que pensez-vous des superbes animatroniques de Monsieur Dumais? Moi, j'étais encore en train d'ouvrir les portes quand tu as... La certaines sont extrêmement réalistes. Je me demande d'où proviennent. Mais la scène qu'on a rejouée, c'était le broyeur. Il serait équitable, à ce stade, de vous offrir un petit indice pour équilibrer la donne. Qu'en dites-vous? Cherchons l'inspiration dans les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Il semble que notre ami Herman Mudgett vouait une telle admiration à Sherlock Holmes qu'il lui a emprunté son nom. Voyons. Il a un cerveau merveilleusement organisé. Il reste immobile comme l'araignée au centre de sa toile. Mais cette toile a 1000 ramifications. Et il perçoit les vibrations de chacun de ses fils. Cela vous aidera, j'espère. Non. Vous devriez y retourner. Bonne chance. C'est la prochaine fois. C'est ça. Et si t'as pas eu le choix, c'est que bon. Non, mais moi j'étais en train de chercher des choses, de regarder un peu ce qui se passait. Et du coup, j'étais pas dans l'incinérateur avant la vidéo. Donc j'ai pas eu de choix. C'était pendant le feu que j'ai eu de faire mon choix. Ah, j'ai pas eu de choix. On m'a pas laissé le choix à aucun moment. D'accord. Bon, bah, je pense qu'effectivement, cette fois-ci, il est vraiment mort. Bah, ou alors, il va falloir qu'on m'explique, parce que là... Scénario. Il était quand même bien brûlé. Mais oui, pour échapper à tout ça, je suis caché sous la grille et j'avais le choix entre essayer de forcer la porte et cacher sous la grille et j'avais choisi cacher sous la grille pour survivre. Non, j'ai eu aucun choix, moi. Voilà. J'ai pas eu. C'est bon, sûr, j'ai pas eu. La première mort. Ouais. Bah, c'est... J'aime bien le petit ton qu'on leur a donné, du coup. Ah, par contre, là, ils sont vénères entre eux. Là. L'ambiance délétère. C'est ça. La violence. Avec le joueur. Bah, c'était cool. Yes. Je sais pas si on s'est arrêté au même endroit que la dernière fois. Oui, on s'arrête toujours après le troisième fois qu'on voit le... D'accord. Le conservateur. C'est... Normalement, on va le revoir encore deux fois. Enfin, une fois et puis à la fin. Si on arrive à la fin. Alors, on arrivera à la fin, parce que moi, sur le premier, j'ai fait une run où j'ai tué tout le monde. On le voit quand même à la fin. Ah oui. Et oui, il nous parle toujours à la fin quand même. D'accord. Mais ça accélère les choses ou même quand tout le monde meurt, on fait tout? Alors je sais pas, parce que j'avais fait un truc où ils meurent, mais ils sont tous morts à la fin, tués par le gouvernement. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Mais il y a des fois, il y a des choses qui vont accélérer si on a des morts. Bon, on verra bien. Il y a des scènes qu'on verra pas et tout. Ah bah la scène du broyeur, du coup, tu la verras pas. Bah, je la verrai pas. Puis, sauf... retournement probable, ou alors ce sera fait avec un autre personnage. Oui, il y a ça aussi. Comme quoi. Ils ont prévu pas mal de chemins, donc c'est ça qui est intéressant.